Et salut à tous, c'est Kerda. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Cult of the Lamb. On avait laissé nos adeptes tranquillement prier lors du dernier épisode. Et on a encore sauvé quelqu'un de ces espèces de démons bizarres là. J'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour de pas mal de des apparences. Ce qui est pas logique parce que j'en ai beaucoup plus que... J'en ai déjà un comme ça. Ah ouais, ok. Alors. Laissez-moi rejoindre votre culte, bien sûr. Allez. En plus, c'est deux adeptes qui ont que du positif dans les stats, quoi. Ça, c'est cool. Toi, t'as faim. Ok. Alors. On va vous faire... Ça. C'est parti. Il y aura à manger pour tout le monde, comme ça. Je vais aller voir le malade après, voir où il en est dans sa récupération. Ok. J'ai toujours pas de bois, ça c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant parce que... Je peux rien construire pour l'instant du coup. Il me manque des lits, en plus il me manque deux lits. Plus qu'un. Je pense que ça va être un épisode où on va pas beaucoup avancer sur entre guillemets l'histoire principale. Parce qu'entre les cultures, la pêche et aller collecter du bois, je suis bien occupé. Même si le bois je peux le trouver en donjon. Le dernier qu'on a fait, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et toi, tu sais pas, tu vas aller me couper des bûches vu que tu travailles tout le temps. Ah putain, ils peuvent pas couper les arbres, les petits arbres. On va absorber l'énergie. Et on va aller voir là-bas ce qui se passe. Je sais pas s'il n'y a pas des arbres qui peuvent pousser dans les zones que j'ai débloquées. Probablement pas, mais bon. Je vais essayer de lui faire sa pêche, lui, ça va me débloquer des fragments de commandement. Il lui faut encore un homard et un calamar. Ok. Il n'y a pas tant de poissons que ça qui sont revenus. Je pensais trouver le lac vraiment full, mais non. Le gros là-bas, à mon avis, c'est ni le calamar ni l'homard. Vu la gueule qu'il a, ça doit être un thon. Alors, j'y connais rien en pêche, mais généralement, c'est les gros poissons dans les jeux, les thons. Et bah, alors, pas du tout. Je crois que c'était un poulpe. Ok, bon. On va aller faire le sermon dès qu'on a fini. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment chill par rapport aux autres jeux du genre. D'ailleurs, c'est plutôt étonnant, genre des Binding of Isaac ou quoi. Ils sont vraiment pas des jeux de chill. Celui-là est vraiment chill. La composante gestion, pêche et tout ce qu'il y a à faire. Autre qu'aller taper des monstres, rend le jeu vraiment détente. Ce qui plaira pas à tout le monde hein, d'ailleurs. Certaines personnes vont pas du tout aimer cet aspect là, je pense. Bon, le dernier peut-être. Ça ressemble pas à un homard, mais sur un malentendu. Et... Oh. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Le homard. Parfait. Il nous restera un calamar à trouver à l'occasion. Barbatos est malade. Mon chien, ils sont tous tout le temps malades.
On va retourner les voir. On a deux malades déjà, faut se méfier. Faut rapidement que je construise des nouveaux lits et que bah, je ramasse tout ce qu'ils ont dû laisser traîner par terre. C'est probablement pour ça que j'ai des malades. Barbatos le traître. C'est Magre qui voulait qu'on le mette au bûcher. Ah 13, ils m'ont collecté un peu de bois, ça c'est cool. Pour faire encore un lit du coup. Donc il y aura des lits pour tout le monde, on va aller récolter les déjections. Histoire que ça soit propre, parce qu'on a vraiment le niveau au plus bas. Et tout le monde va tomber malade et on va être dans la sauce après. Donc d'abord on collecte ça. Après je m'occupe de mes champs, après je fais le sermon. Et la journée sera déjà finie je pense. Vivement que j'ai le silo fertilisant parce que... Bon j'ai tout collecté mais il doit y en avoir encore quelque part. Genre elle là. Là c'était du rapide. Valéphar il avait un cadeau pour moi mais Valéphar c'est pas celui qui a l'idée là. Non. Il est où Valéphar? Aïe aïe aïe, y'a un plus qui est malade. Bah yes. Et ouais mais moi je veux ramasser mais... Y'a d'autres interactions qui pop avant. Je récupère des baies du coup. Bah yes. Ok. C'est redevenu à peu près sain. On va faire le sermon, il nous manque deux personnes mais c'est pas grave. Non, il n'y aura pas de level up. Dommage. Couronne. On va travailler sur la prière et le travail. Inspiration. On débloque la possibilité d'inspirer un adepte pour grandement augmenter sa fidélité. Remplace l'action bénir. Ça a l'air mieux. Intimidation. Débloque la possibilité d'intimider un adepte pour augmenter légèrement sa fidélité et le faire travailler 10% plus vite pendant 2 jours. Remplace l'action bénir. C'est pas mal ça aussi. Ça c'est pas mal pour les récolteurs. On va garder l'inspiration. C'est tellement utile de level up que je pense que c'est mieux de garder ça. Doctrine, donc ça c'est celle que j'ai adoptée, voilà, ok. On va level up. Et on va se débloquer... qu'est-ce qu'on va débloquer d'ailleurs? Bah le silo fertilisant, je l'avais pas débloqué donc let's go. Et on va le construire et après la prochaine mission sera de construire le poste de mission. Au boulot là, bande de feignasses. Ah Valéphar, donne-moi ma récompense, vas-y. Oh bien. Attends, je te fais level up, bouge pas. Inspiré. Ok. Je suis curieux de savoir si ça augmente vraiment plus. Vraiment beaucoup plus. Pour l'instant... Ah ouais, il a même pas level up. Non, c'est pas si fou que ça en fait, hein. Vraiment. Ok. Pourquoi il y a deux épouvantails? J'en avais construit qu'un. Il y avait eu un bug quand j'avais voulu en construire un, j'arrivais pas à le construire. Et je pense qu'en fait il s'est construit mais je l'ai pas vu. C'est pour ça qu'il y en a deux là. Mais ça m'arrange pas, c'est chiant. C'est du gâchis de bois en plus. Je vais essayer de le démonter, je sais pas si on peut mais...
Ok, on va y mettre des nouvelles graines. Je veux démonter ce foutu épouvantail là. Modifier. Est-ce que je peux le supprimer? Yes. Mais ça rend pas les ressources. Putain, quelle arnaque. Alors, le silo fertilisant, il me faut du fer, je crois. Bah yes. Bon, bah écoutez. On va partir en donjon, hein, finalement. Vu qu'on peut rien faire d'autre. Allez, donjon, niveau 2. C'est parti. Anoura. On va aller casser la gueule à des monstres. Oh, c'est quoi ce spell? Attaque qui peut être chargée pour infliger plus de dégâts. Oh, ça a l'air lourd, ça. Ok. Alors. Quand on touche pas les monstres, je suis pas sûr que la hache, ça soit l'arme la plus intéressante. Ça l'est pour les monstres qu'on one shot ou qu'on two shot, mais quand il faut commencer à mettre 3 coups de hache vu comment c'est lent, je suis pas certain. J'espère que je vais trouver du fer dans ce donjon parce que sinon je suis pas arrivé. Par ce donjon, pas forcément dans cette reine là, mais en tout cas dans le donjon de palier 2 et pas dans celui de palier 3 quoi. Pas de monstre, ça va pop. Non, même pas. Ok. Si je pète les bougies, y a pas un truc satanique qui va pop ou je sais pas quoi. Ah. Salut les gars. Un patagramme à 5 branches, 5 mauvais présages, 5 membres d'une même fratrie côte à côte, 5 dieux, une seule tombe. Shamura, nous ne voulions pas te déranger, seulement. Shamura, la couronne rouge gagne en puissance jour après jour. Elle a réussi là où il a échoué. Leshy a été tué. Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. Sans déconner. Shamura, repose-toi, nous allons nous en occuper, n'est-ce pas, Calamar? Oui, ma sœur, tout ce que tu en voudras. Toi, minable porte-couronne, incline-toi ou tu vas le regretter, va chier. Incline-toi ou je t'obligerai moi-même. Ah merde, j'aurais dû m'incliner. Ah, il m'a vraiment mis un donjon de merde quoi. Ah, le pire. Oh, 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 calmez-vous. Ouais, c'est fort. Ok. En plus ça stun. Par contre, là les monstres que je rencontre ne se font plus. Je mets un coup, ça les arrête plus. Donc je pense qu'il m'a aussi, en plus de me mettre full combat, il m'a aussi mis des monstres un peu chiants quoi. Ce qui est pas pour m'arranger, pour être honnête. Pour l'instant j'ai pas trouvé de bois, j'ai pas trouvé de fer, donc c'est vraiment le donjon qui me sert à rien. Ça de la pierre j'en ai par contre, mais ça me sert pas pour mes constructions non plus. Ok, ok, bon. Allez, qu'est-ce que t'as à proposer toi? Oh, c'était une rare ça. Vitesse alta... Ah ouais, une carte de tarot peut être buffée. Le télescope c'est pas mal, mais ouais, on va prendre la vitesse. Les cartes ont été tirées. Poursuis ton chemin et marche vers la lumière. Avec plaisir. C'est qui toi? Tu vends des graines toi, ou des champignons. Je t'en prie, ne nous fais pas de mal, nous sommes des simples adeptes perdus en terre inconnue. Le grand Sozo nous a envoyé acquérir ces précieux champignons hallucinogènes. C'est tout ce qui importe, il a perdu la raison. Mais une fois sur place, nous avons réalisé que nous n'avions aucune idée de l'endroit où se trouvent ces champignons, et maintenant, nous sommes trop effrayés pour rentrer les mains vides. Si tu lui apportes des champignons, il te récompensera certainement. Tu le trouveras à la grotte au sport. Ok. Nouveau lieu. La grotte au sport. C'est tout? Merde! Eh, je peux les tuer alors? Ça se passe quoi si je les tue? Ah, peut-être pas le faire, mais...
En vrai, si je vous tue, ça fait des champignons et tout. Let's go. Ouais, on verra si le grand Sozo il est au courant du massacre, mais. J'avais pas de champignons, maintenant j'en ai. Et ouais, c'est la vie. Je me fais casser la gueule. Ouais, des chemins, trop bien. J'en ai pas du tout besoin pour l'instant par contre. Ok, bon bah écoutez, pas le choix. Hein. Longuier royer. Mince, c'était pas du tout ça que je voulais faire, ni ça. Ok. Ok, ils sont enfermés à l'intérieur. Au moins je peux clean la map tranquillement. Ah, ça y va la pierre, je vous le dis. En plus ça donne rien ça. C'est nul. C'est absolument naze. Ok, continuons. Je sais pas ce que c'est que ces âmes là quand ils meurent. Ça fait partie des debuffs que j'ai pris dans la gueule en même temps que d'avoir une map full combat. Ah ouais, il y a trois chemins là. Ok, bonne pioche. 10% de bloquer les dégâts reçus, ouais. Le destin a parlé. En tout cas, avec le buff de dégâts, je peux tout shot les monstres, la plupart en tout cas. Et ça, c'est vraiment très cool. Ouais, je vais mourir. Je vais mourir. Pas de visibilité sur cette carte à la con. Waouh. Ok, mon pouvoir est plutôt adapté aux monstres qui spam par contre. Ah, sauf que j'ai plus de pouvoir là. Aïe. On va se barrer après ce donjon. Parce que là, ça va être compliqué. Allez, barrons-nous, Taïo, parce que là, on va crever. Mieux vaut un tout petit peu de loot que pas beaucoup. Et de toute façon, vu qu'on nous a. La RNG a décidé de tuer le donjon, pas le choix. On va aller faire le sermon avant que la journée se termine. Hop là. Ok. Oh, il y a tous les lits qui sont pétés, sans déconner. Mais comment je fais, moi? Je consomme plus de bois que je n'en collecte. Débloquez la mine grâce à l'inspiration divine. Construisez un poste de bûcheron. Construisez la mine. Ah, vous êtes gentil, mais il va falloir prier pour ça. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient level up juste avant le sermon? Vous cassez-vous. Toi, tu peux level up. Ok. Génial. Inspiration divine, on va débloquer la mine pour que l'autre soit contente. Par contre, on pourra pas les construire vu qu'on n'a pas de bois. Alors, la mine se construit peut-être avec la pierre, remarque. Si on a de la chance. Ouais. Je peux faire deux mines, c'est toujours ça de prix, mais. Comme ça, je vais attribuer deux mineurs. Je peux en faire qu'une, bah yes. Toi, tu seras. Merde. Je suis en train de confondre les touches entre les touches Xbox et tout ça. Toi, tu vas travailler, tu seras mineur. Dès que ce sera fini, c'est pas fini, ok. Allez, sermon. Par contre, je me pose vraiment la question de savoir si c'est intéressant à regarder sur YouTube. Contrairement à un jeu de stratégie ou quoi, je sais pas.
Je suis indécis là-dessus. Maléfice occulte. Ok, ça commence à faire beaucoup d'XP tout ça. Merde, non, couronne, couronne. Est-ce que j'aurais pas une doctrine sympa à mettre en place aussi? On va leur faire un truc pour la fin. Tous les membres du culte gagnent la croyance cannibalisme, plus 5 de fois en mangeant un plat à base de chair d'adepte. Oula. Végétarisme, tous les membres du culte végétarisme, ces adeptes ne perdent pas de foie en mangeant des plats à base d'herbe. Ça c'est cool, parce que les plats à base d'herbe et de baies, ça va être ce qu'on va faire le plus. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de sacrifier quelqu'un, histoire de faire de l'XP, tout ça, vous savez. Pas switch à gauche, ça c'est chiant. Est-ce qu'on pourrait sacrifier quelqu'un histoire de... Les adeptes mangeront plus... Non. Rituel sacrificiel effectué dans le temple permettant à un adepte d'atteindre l'ascension de son âme. Tous les adeptes gagnent de la fidélité. Est-ce que je peux annuler ou pas? Ouais, je peux annuler. H36... Ok. En fait, j'essaye de savoir à peu près quel âge ils ont. 39 ans et armure. Peut-être falloir mourir. Hein. Membre depuis 12 jours, depuis le début. 39 ans. On va te sacrifier pour la cause, mec. Il est content. Eh ouais. Gloire au culte de l'agneau, ouais. Ah, je m'attendais à un truc gore où on allait voir du sang partout. Ah ouais, ça fait un beau petit level up. Et ça fait de la chair d'adepte. C'est comme ça qu'on a de la chair. Ok. Eh bien, tout compte fait, c'était peut-être pas mal de prendre l'autre doctrine alors. Allez, c'est l'heure de level up, les gars. Toi, c'est ok. Mince, j'ai déjà fait, ok. Oh. Parle pas toi. Magre, je crois que je t'ai déjà inspiré aujourd'hui. Ah non. C'est bien, toi tu bosses tout le temps, ça c'est cool. Et je vais mettre une doctrine en place que... Genre vous allez faire vœu de silence, hein, vraiment. Vous allez arrêter de me faire chier à pas travailler. Toi va miner. Ouah, ils ont pas fait la ferme, c'est con. Ils ont rien arrosé. Arrête d'arroser, ramasse. Je vais attendre qu'il fasse jour et je vais aller faire un nouveau donjon dans la foulée. Je vais attendre qu'il fasse jour parce que je pense que je peux avec le sermon level up là. Du coup on a plus assez de lit pour tout le monde vu qu'ils sont cassés. Il me faut beaucoup de bois pour que je puisse construire les abris aussi par-dessus. On va compléter le champ. Merde, il empiète sur le... Mais les gars, c'est grand mon champ, mais il se passe quoi là? Il faisait pas cette taille à la base? J'avais pas prévu ça moi. Ah non, c'est le range de l'épouvantail que je vois, pas du champ. Ok. Malgré tout, je peux cultiver au-delà du champ. Alors, à quoi sert le poste de fermier? Ah, ils arrosent que ici. Ok, ok, ok. Je comprends. On va planter des champignons hallucinogènes. Ce sera fait. Je sais pas à quoi ça va me servir pour l'instant, mais ce sera fait. On va remplir la boîte à graines. Elle plante, hein. Elle arrose pas, mais elle plante. C'est déjà ça. Je sais pas pourquoi il m'a donné l'XP lui.
Je vais aller voir le mec des champis en attendant que la nuit se termine. La grotte au sport. Le phare du chemin du pèlerin est à nouveau allumé. Il y a du changement dans l'air. Ok, donc c'est peut-être le phare qui me les a débloqués aussi. Des cartes, je m'en fous. Des décors, je m'en tape. On va aller voir le maître. Salutations, camarade. Moi ? Mais je suis le grand Sozo, bien sûr. Sozo mène des recherches sur les champignons. Sozo est un pro de la cueillette, alors ne le prends pas pour une truffe. Hé hé hé, Sozo aime plaisanter. Oui oui, des champignons. C'est la spécialité de Sozo, mais Sozo en veut plus. Il n'y en aura jamais assez. Tu veux bien apporter à Sozo ? Oui, oui, Sozo ne veut pas faire confiance à ses adeptes, non. Il ment, il vole, il ricane dans le dos de Sozo. Sozo le sait ! Mais je vais continuer à les tuer alors. Sozo fera tout ce que tu veux, Sozo te vénérera, il se dévouera corps et âme à ta cause, Sozo t'arrachera la... Oula, non ? À se calmer. Sozo te montrera comment exploiter le pouvoir des champignons pour manipuler les adeptes. Tu n'auras pas à les utiliser contre Sozo. Oh non, Sozo te suivra de bon cœur tant que tu lui apportes des champignons. Sozo fera tout ce que tu veux. Rends-toi à Nura et trouve des champignons pour Sozo si tu les as peut-être jamais vus avant, mais ils n'apparaissent que lorsqu'on les cherche vraiment. Sous-entendu, ils apparaissent qu'une fois qu'on est au courant qu'ils existent, quoi. Oui, oui, donne-les à Sozo, donne-les maintenant. Bien, très bien, mais pas suffisant, Sozo en veut plus. Alors Sozo pourra te montrer comment manipuler l'esprit de tes propres adeptes. Tu voudrais une récompense pour tes efforts, mais bien sûr, Sozo paye toujours ses dettes. Prends ceci. Merci Sozo, tu déchires. Je crois qu'ils viennent compléter le fragment du pêcheur. Donc il doit y avoir un fragment... Ah, si ça vous avez trouvé 4 éclats de talisman sacré. Ça c'est ce que donnent les gens qui font les quêtes, qui ne sont pas mes adeptes, je pense. Les talismans sont des reliques antiques qui permettent de débloquer de nouvelles pélisses, débloquer et équiper les pélisses sur l'autel du temple. Ok. Changer d'apparence, je m'en tape. On se casse. Ok, on va aller là-bas. Un nouveau jour s'est levé. On va level up les gars. Ça c'est bien ça. Guide, je vous en prie, ne me jugez pas, mais j'ai toujours voulu goûter un plat à base d'excréments. Pourriez-vous m'en préparer un? Espèce de taré, putain. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, hein, vraiment. Par contre, je me suis vraiment fait arnaquer, genre le nouveau truc là qui remplace l'inspiration, c'est vraiment de la chiasse quoi. Plus 7 au lieu de plus 5. J'aurais clairement dû prendre le truc qui aurait fait plus 6 et en plus il travaille plus. Hein. Je me suis vraiment fait bolosser. Ok, là il y a du bois. On va pouvoir réparer les lits. Ok, les malades ne sont plus malades, ça c'est cool. Bon, tu veux un plat dégueulasse toi. Allez. Et par contre, y'a que toi qui viens le manger. Hein. Plat mortel, une infâme cocoction. 75% que l'adepte meurt immédiatement. 100% de chance de générer des ressources. Ah ouais. Vas-y, ramène-toi du con là, t'es où? J'espère qu'il y a que lui qui va venir le manger. Hein. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est bon? Putain, ça a l'air bon, c'est ça le pire. Je savais que vous y arriverez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour que ça level up, quoi? Et toi, tu vas les arroser, tes cultures, là? Putain de feignante. Ok. C'est l'heure du sermon. Level up, peut-être? Ouais, non, c'est ambitieux quand même. Pas loin, mais c'est ambitieux. Alors, on va débloquer une pelisse. Oh, je peux pas... Ah, si. Ok.
Un vêtement noble, digne de vous, n'offre aucun bonus. Vous infligez plus de dégâts pour chaque ennemi tué. Effet réinitialisé lorsqu'un ennemi vous attaque. Vous subissez deux fois plus de dégâts. Laisse tomber. Les maléfices infligent deux fois plus de dégâts pour deux fois moins de ferveur, mais les dégâts de vos armes et votre vie sont divisés par deux. C'est mort. Octroie un cœur corrompu à chaque carte de tarot tirée, mais vous perdez 100% de vos nouveaux objets si vous mourrez. Ça, c'est jouable. Tous les cœurs sont remplacés par 1,5 fois la quantité de cœurs bleus. Ça peut être fort. Tire 4 cartes de tarot au début du donjon, mais aucune carte ne pourra plus être tirée ensuite. Ah, mon cœur balance entre la pélisse du destin, la pélisse de l'âme et la pélisse corrompue. Octroie un cœur corrompu à chaque carte de tarot tirée. Ça c'est fort, ça me fait un cœur gratuit à chaque fois que je tire une carte de tarot. J'en tire en général 2 voire 3 par donjon, donc c'est 2 ou 3 cœurs gratuits. Ça, je multiplie mes cœurs par 1,5, mais ça vaut peut-être le coup d'attendre d'avoir plus de cœurs, parce que je pourrais pas les régénérer. Et ça, j'ai les cartes de tarot au début du donjon. Non, on va prendre la pélisse qui me donne le cœur corrompu, ça a l'air vraiment fort. Et comme on joue plutôt safe et on sort du donjon plutôt que de mourir... Parfait. On va taper un rituel de jeûne aussi. Allez, c'est parti. Il commence à y avoir un peu de monde. Allez, c'est parti mon jeune. Au boulot. Et on repart faire de l'exploration. T'as de la caillasse pour moi ? 3 sur 39, c'est un peu nul. Ok. Je pense qu'avec le bois, je vais me récolter le camp de bûcheron. Ok, la griffe, c'est pas mon arme préférée, clairement. Mais ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas lu. Il y a pas mal de spells. Pas mal de spells, pas mal d'armes. C'est plutôt complet, c'est cool. Ça va pas rougir d'un Hadès, par exemple, clairement. Ouh, il y a un cœur bleu. Oui. Eh ouais, c'est vrai qu'il tape. Ça, ça fait quoi ça? Ok. Ah, j'avais... Putain, il tape trop vite. Ah, mais c'est vrai que la griffe, la troisième attaque, il y a une range de ouf. Parfait. Allez, on va tout péter, comme d'hab. Ok. Je sais même plus par où je suis arrivé de la droite. Ok. Moi je dirais que la carte de tarot est en bas. C'est mon don de vision qui me dit ça. Voilà. Lorsqu'il ne vous reste plus qu'un demi-cœur, inflige deux dégâts ou révèle la carte. On prend la carte. Let's go. Oh, en plus, pour une fois... Pour une fois, il y avait des chemins un peu plus compliqués, je crois. Ah non, du tout. J'ai rien dit. Ouais, genre ça m'a touché. Mais... On va se calmer. Ok, je me sens OP sur cette run, je pense qu'on va tout casser. Ok. Et la caillasse qui tombe du ciel toujours au même endroit, j'ai l'impression. Allez. Oh, ça pue ça. Voilà, là je vous défonce. Normalement. Yes. Attaquer les crapauds là, voilà.
il est vraiment fort ce spell là, hein, qui laisse tomber le, l'espèce de mare noire derrière moi. Merde. Par contre, il me faudrait vraiment des donjons avec du bois parce que là, ça devient compliqué sinon. J'ai tellement de choses à faire avec du bois, imaginez. Il faut que je fasse... Il me manque des lits. Il faut que je fasse une dizaine de tentes. Il faut que je fasse les postes de bois pour essayer d'avoir un peu plus de bois. Mais c'est pas ouf, hein. On investit 15 de bois pour en sortir 39. Franchement, en termes de rentabilité, il y a mieux, quoi. Et surtout, il me faut de l'or aussi. Alors là, la pierre, je m'en contrefous. Par contre, ça, clairement, il y a même pas hésité. Ouais, du bois! Et j'ai même pas récolté assez de bois pour faire deux postes de bûcheron, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'on aura une inspiration divine quand on va revenir. Ah putain. Ce qui est pas mal quand même, c'est qu'on a une frame d'invulnérabilité quand on se fait toucher. Ah ouais, ok, ok, allez, laisse tomber, je viens de perdre 3 coeurs comme une merde, vraiment comme un connard. Putain, mais chier. Ah, on va sortir, c'est bon, je perds tout si je meurs, laisse tomber. Ah putain. Moins 4 bûches en plus. Ok. Bon, il y a un sermon à faire. Ah, il y a un level up à faire aussi avant. Il est où? Arrêtez de parler, bordel. Bon. Ils sont tous en train de jacasser là. Il y a forcément un truc qui les empêche de parler, c'est obligé. J'ai toujours pas de fer pour le silo fertilisant, ça c'est chiant. On va faire nos récoltes. On va planter des champignons hein, pour faire la quête de Sozo. Il m'a tellement répété son nom que je l'ai clairement pas oublié, si je peux vous le dire. Voilà. Ils sont déjà prêts à être récoltés? Non, c'est tôt. Ça pousse très très vite si c'est le cas. Ah ouais, pousse vite. Ok. Bon, ça c'est parfait, là ça bosse pour une fois. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces cons? C'est parce que l'idole était pleine, mais... Ils font leur petit rituel dans leur coin. Eh bien, on va faire un rituel, ouais. J'ai bien envie de me faire le poste de mission, ça coûte combien? Je peux le faire ou pas? Il est où? Raffinerie permet de créer des ressources sacrées suivantes. Intéressant. Je peux faire le silo fertilisant grâce à ça. Donc on va faire la raffinerie. On va la faire ici. Ah, c'était des planches, c'était pas des lingots de fer. Ok. Allez, on le construit tous ensemble, c'est parti. Et je crois que c'était 5 planches le silo fertilisant. Ça va me bouffer tout le bois qui me reste. Je suis même pas sûr d'avoir assez de bois de toute façon. Ouais, j'en ai pas assez. Ah si, j'en ai 18. Et il m'en faudrait combien? Alors j'ai deux bâtiments que je veux faire. Je veux faire le silo fertilisant, donc 5 planches.
Et le poste de mission. Le poste de mission qui est quelque part, je ne le trouve pas. Ah, il est là, il y a d'autres onglets. On va faire le 2 hein, directement, peut-être. 5 pierres raffinées et 5 bois. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas aller bosser à la raffinerie. Ok, tu peux pas. Tu vas aller aider l'autre à faire des. Ah, alors attends, si je t'envoie à l'agriculture, elle arrête? Ouais, c'est ça. Ok. C'est que une personne par tâche. Donc ça, j'en veux 5 déjà. Et toi, Jean-Claude, là, bosse à la raffinerie, au boulot. Après, il s'occupe automatiquement, j'ai l'impression, si jamais il y a une tâche. Donc ça, c'est cool. Après, je lui préfère la pierre raffinée et d'ici là, j'espère que j'aurai assez de bois pour raffiner le bois et faire le poste de mission. Level up. Yeah, il y a encore quelques niveaux. Hein. La vertu des dévots. Donc après les armes fantomatiques, on va pouvoir te choper un nouveau type d'arme. Ça, c'est cool. Je me demande si j'aurai une alerte pour me prévenir qu'un adepte va mourir de vieillesse, histoire d'anticiper. Maintien de l'ordre, c'est peut-être là-dedans que je vais trouver le truc qui va les empêcher de parler. Rituel de l'arène, débloque le rituel permettant d'ordonner à deux adeptes de se battre jusqu'à la mort. À moins bien sûr que vous ne décidiez de faire preuve de clémence. Ça n'a aucun intérêt. Débloque le rituel permettant d'épouser l'un de vos adeptes et de gagner plus 32 foi. La foi, je m'en tape, c'est la spiritualité dont j'ai besoin. Du coup, on va prendre le combat à mort. Hein. Je crois qu'il y a vraiment des rituels, c'est juste pour le kiff, quoi. Ce délire. Combat à mort, quoi. Ouais, on est content. On va se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Ok. Doctrine. On va finir par un petit peu de pêche, histoire de voir si j'arrive à attraper mon... Je crois que c'est la... Le calamar qui doit me rester à faire. On va essayer de l'attraper. Non, 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 je m'en fous. Non, je m'en fous. Tais-toi. Ouh, il y a du poisson en plus là. Ah oui. Bon, on va pêcher jusqu'à la fin de la vidéo. Alors si la pêche ne vous intéresse pas, on peut passer directement à la vidéo suivante. Je préfère vous prévenir. Parce que vu le nombre de poissons, je pense qu'il y en a pour un bon gros quart d'heure là. Surtout si je suis mauvais comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Je sais pas du tout comment s'est perçu une VOD là-dessus. Je pense que en live sur Twitch, ça peut être intéressant parce que... Bah voilà, parce que ça permet de parler avec les gens, ça permet de lire le chat vu que c'est chill et tout ça. En vidéo YouTube, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Si ça peut faire une vidéo d'accompagnement. Moi j'aime bien quand je vois des jeux en général. J'aime bien avoir une vidéo à côté, soit un live, soit une VOD, et puis j'écoute. Ça fait une espèce de compagnie, on va dire, en même temps. Eh ben, c'est pas gagné. Ce qui est bien avec les poissons, c'est que ça va nous permettre de faire des plats à base de poissons. Oh, le homard. On n'en voulait pas, on voulait un calamar. Dommage. J'étais faussement content. Au final, le côté gestion du jeu, on pourrait presque dire que c'est un Animal Crossing en version Glock, quoi. C'est le Animal Crossing Glock sur PC. Ah, ça y est. Ah putain, non, c'est pas la bonne. On a eu un poulpe au lieu d'un calamar. En tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, ça me fait plaisir d'y répondre.
ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui, voilà, qui suivent les vidéos, qui posent des questions ou tout simplement qui me disent ce qu'ils pensent de leurs vidéos, que ce soit positif ou négatif. Les retours négatifs sont bons à prendre. Moi je débute là-dedans, j'essaye de régler correctement le micro et tout ça, mais c'est pas toujours simple. C'est pareil, là il fait... avec la sécheresse et tout, moi je suis là où il y a les feux. Alors je suis obligé de fermer les fenêtres, je peux pas aérer, jamais je peux aérer et tout ça. Donc il fait 30 degrés en permanence dans la maison, donc j'ai le ventilateur qui tourne à fond derrière. J'ai pas la clim. Donc si vous entendez le ventilateur, faut pas hésiter à me le dire. J'essaierai de trouver un autre réglage pour le micro pour pas qu'on l'entende. Voilà, ce genre de choses quoi. En tout cas, vivement l'hiver là, qu'il fasse frais. Parce que j'en peux plus de cet été à la con. En tout cas, le jeu est vraiment très très cool. Hein. Moi, je m'amuse beaucoup dessus. Ouh, c'est un peu loin. Non? Ok. Par contre, j'aimerais bien choper mon calamar histoire d'en finir une bonne fois pour toutes là. Parce que la pêche, c'est cool, mais... je pense que je vais même avoir le temps de faire le sermon, quoi. La nuit est en train de se finir. Ah, le 5 calamar qui est tombé. On est content. Ok. Quoi? Mais non. C'était un poulpe encore, putain de merde. Ah non, je suis trigger, putain. Je suis dégoûté. Ok, ça commence à vite se remplir l'idole là. J'allais dire il m'a rien fait ce con. Mais si, il l'a fait. Ok. On peut donc mettre la fosse à caca, ça y est. Ah ben non, parce que je n'ai pas d'or. Yes. Bon bah ok. On va devoir aller chercher du bois. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ma foi, voici, je vois clair dans vos mensonges. Je vais dire à tout le monde quelle supercherie se trame ici. T'es un ouf toi. Un adepte est en train de se rebeller contre vous. Cela arrive lorsque le niveau de foi du culte est trop faible. Un traître répand des mensonges sur vous. D'autres adeptes pourraient être influencés. Disciplinez-le ou envoyez-le faire un tour en prison avant de l'accueillir à nouveau de votre culte. Ou sacrifiez-le, c'est vous qui commandez. Et mon frère, tu vas mourir toi, je te le dis. Alors j'ai pas assez d'argent pour créer la prison. Donc tu vas être sacrifié aujourd'hui. C'était qui le traître? Attends, parce que j'ai pas regardé ton nom. Amdusias. Mon gars, t'es mort. Je te le dis. Tu vas être sacrifié, ça va faire remonter la foi en plus. Donc c'est vraiment bien d'avoir gardé ce truc là. Le sacrifice pour la foi. Finalement on va pas faire que des ascensions. J'ai pas de nouvelle couronne, c'est en... enfin j'en ai mais c'est en cours de recharge. Eh bien mon ami, le rituel de l'arène c'est pas ça, le rituel sacrificiel qu'il faut augmenter la foi. Amdusias, adieu, traître. Ah ouais. Ok, level up en plus, parfait. On a les armes occultes. Ça faisait quoi ça déjà? Ça permet d'utiliser un maléfice supplémentaire et ça c'est nouveau maléfice. Ouais, c'est pas mal aussi. On va tout monter en même temps. Qui sera le prochain? Ah ouais, ça fait beaucoup de fois en plus hein. Ah ouais, ouais, ouais. On va peut-être pas faire la prison hein. Ah ouais, c'est quand même vachement utile. Ils sont contents. Eh ouais. C'est bien les gars. Vos adeptes se réjouissent du sacrifice qui a eu lieu. Croyance, don de soi. C'est bien ça. Merci guide, je savais que je pouvais vous faire confiance.
Avec plaisir. Alors par contre, j'ai tué, je pense que c'était le raffineur. Donc va raffiner. Et toi, va cultiver toi. Au lieu de rien foutre. Comment ça t'as rien à cultiver, regarde. Ça fait un quart d'heure, enfin 10 minutes que je vais arrêter la VOD, mais que je le fais pas parce que j'ai toujours un truc à faire et je suis pris dans l'engrenage. Hein. Je crois que c'est en train de s'embrouiller là-bas. Là. Alors ce qui serait marrant, c'est que là ils viennent me voir en me disant « Ouais, machin, c'est un traître !» Pourquoi c'est toi qui viens à la ferme là? Qu'est-ce qu'elle fait, Magra? Ça devrait pas être lui le fermier. Alors on va remettre des graines. Ok. Qu'est-ce que tu fous toi là-bas là? Oh! Qu'est-ce que tu branles? C'est toi la fermière, je te rappelle. Et mon mineur il est... Eh mais en fait ils arrêtent de bosser quand ça leur chante ou quoi? Et au boulot là les feignants. On va rediscipliner tout ça parce que c'est vraiment le grand bordel. Ah non mais oh. Je vais amorcer le level up pour la prochaine journée. Voilà. Parfait. Et écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures avec notre culte maléfique.